C'était vraiment un match à sens unique entre le PSG et Marseille. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, les amis, on va parler de ce PSG Marseille. Victoire 4 buts à 0 du PSG. Le PSG a étrié Marseille. Le PSG a surclassé Marseille. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique te parle. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, le PSG s'impose 4 buts à 0, les amis. Un classico. 4. C'est à la limite une humiliation de la part du PSG. Franchement, le PSG a carrément surclassé Marseille. Marseille n'a pas existé en dehors de la barre en première période. Il n'y a quasiment rien eu de la part de Marseille. Le PSG, c'est 77% de possession avec 15 tirs pour s'encadrer. Pendant ce temps, Marseille, c'est 6 tirs, 0 cadré, les amis. Marseille n'a cadré aucun tir. Aucun tir cadré. C'est vraiment inquiétant pour Marseille, les amis, offensivement. Donc, le PSG a largement dominé les débats avec un Hakimi monstrueux. Hakimi a été stratosphérique. Stratosphérique Hakimi. Donc, les amis, victoire méritée du PSG. Rien à dire. Lucien Riquet qui a modifié son schéma tactique. Il a préféré mettre Barcola au cœur du jeu. Ensuite, lorsque Kylian Mbappé s'est blessé, Barcola a reculé. Il est parti sur un côté. Et on a vu quasiment quatre avant-centres du côté du PSG avec Kolo Muani, Barcola, Ousmane Dembélé et Ramos. Surtout avec la sortie de Kylian. Donc, il y avait quatre avant-centres. C'est un schéma tactique donc Lucien Riquet a modifié uniquement pour ce classico. Il voulait absolument battre Marseille, surtout au Parc des Princes. Après, Marseille est quand même dans le dur. Ce n'est pas une excuse, mais ils sont dans le dur avec tous les problèmes extra-sportifs. Mais bravo au PSG qui a su bien jouer le coup. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet est vraiment en train de mettre les choses en place, est vraiment en train de changer ce PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.